Coucou YouTube, ça y est, on est de retour sur Mario Galaxy. On avait fait une session la dernière fois. Attendez, il y a Mario qui roupie, c'est quoi ces conneries? On avait fait une petite session la dernière fois. Et puis on a récupéré combien? 7 étoiles. Et puis bah, le but, bah, c'est de continuer et évidemment de tout faire. Hein, parce que... Bon, vous me connaissez. On va commencer par... Non! Pas tout. Non, pas toi! Ah, quelqu'un message du côté du garage. Allez, on va commencer par faire ça déjà. Hein. Voilà. Ah zut, je me suis planté, je me suis planté. Les 240. Il y aura très probablement les 240, ouais. Je pense. Je vais faire les 120. Je vais faire les 120 déjà de base. Mais non, mais c'est tout en fait. C'est bon, il nous a parlé. En fait, il nous a parlé, c'est ok. Alors YouTube, il y a... Mais non, c'est pas le bon bouton. C'est pas le bon bouton! Il y a Genius qui vous fait un petit coucou YouTube. Donc ouais, je pense que je vais faire comme pour 3D World. Je vais d'abord commencer avec les 120. Et puis après les 240 avec Luigi, ça sera au fur et à mesure quoi. C'est de temps en temps. De temps en temps, je reviendrai dessus, ça sera rigolo. Et puis voilà quoi. Mais je pense pas faire la totale de 140 en une seule fois. Une seule fois. On s'entend. Hein. Allez vas-y, on est parti sur le... Allez, on va partir sur des trucs chiants dès le départ. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse les trucs chiants dès le départ? Montez un peu le son du jeu. Ta-ta-ta-ta-na-na. Regardez, je peux bouger. Est-ce que ça, Island, ça te rappelle des trucs ou pas? Est-ce que ces ennemis te rappellent des choses? Est-ce que ces ennemis te rappellent des choses agréables ou pas? Oh merde! Mais... Pourquoi ça marche pas? Faut aller où après? Ah d'accord, il y en a encore sur le côté là-bas. Je n'avais point fait attention. Merde, reviens. Merde. C'est le bordel. Bon, j'avoue que c'était pas très, très optimisé, mais ça est passé, hein. Que de bons souvenirs, bah oui, et les petits ennemis qui balancent des lasers là. On aime ça, hein. Le speedrun est en bas. Oh là là. Ça parle mal, ça y est. Ça y est, ça commence déjà à mal parler. Et après, on va me dire que j'ai le chat que je mérite. Bah, voyons. Regardez, ça fait. 3 minutes et déjà une... Et déjà une étoile, quoi. Encore une nouvelle galaxie? Mais ça n'arrête pas. Ah bah ouais, 8, j'ai le boss si je veux. J'espère qu'il prépare pas un mauvais coup en utilisant l'énergie de la grande étoile. Alors ça, c'est fini. Ah vous voyez, il y a une petite couronne. Il y a une petite couronne pour dire le monde est fini. Ça, je débloque. Allez, c'est parti. Ça fait un speedwalk du coup. Eh mais attends, t'as marqué quoi? Le speedrun? Ah dis donc, t'as picolé toi ou quoi? Le speedrun est en marche. Eh, ça picole, eh. Il l'a vu. Speedrun, ouais. Ouais, elle fait du speedrun. C'est notre technique, hein. C'est notre technique. Le but, c'est de vomir. C'est de vomir le plus vite possible. Petit pinguino.
Le petit pinguino. Pourquoi moi, commandant Cousteau? Il avait chaud aux pattes, le pinguino. Ah, ils veulent que je sorte sur Marek. Les commandes pour la staff ferroviaire sont un peu compliquées. Alors écoute bien les explications du coach. L'arrêt s'appelle Raymond. C'est mignon, hein. Ah, l'arrêt de mon... Hein. Toi aussi tu veux faire du surf sur Ray? Ouais, carrément quoi. Ah, c'est la première fois que tu fais du surf sur Ray, n'est-ce pas? Je vais t'expliquer comment on fait. Bien, je vais t'expliquer. Essaie donc d'imiter l'exemple donné en bas à droite de l'écran. J'ai une manette pro, moi je fais comment? Ça, c'est la position de base. Pour tourner à gauche, fais pivoter la manette vers la gauche. Voilà, c'est comme ça qu'on tourne vers la gauche. A l'inverse, pour tourner à droite, fais pivoter la manette vers la droite. Putain, elle est malin. Red Bull en sueur. ok, super. Et enfin, tu accélères en appuyant sur B. C'est... Qu'est-ce que tu as? Je veux les... Putain, le motion gaming. Le motion gaming, les enfants. Hein. La meilleure invention. Hein. Oh, j'ai tout chopé. Hein. Vous avez vu, j'ai tout chopé. Vous avez vu ou pas? Attends, attendez, je vais voir l'air con. Ah bah déjà. Ah bah déjà, il y a les pinguinos qui nous trollent à droite là en nous disant bon courage. C'est que ça va être la merde. Pouet, 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 pouet. Ah! Salut Neruda. tu arrives pour un fail. Non mais ça va, j'avais plein de vie. Attends, est-ce que j'étais pas détendu. J'étais pas détendu des épaules, c'est pour ça que j'ai pas réussi. Ah, épaule détendue. Streamer confiant. Rien ne peut nous arrêter. Sauf une coupure d'électricité, mais... Oh, c'est la merde. Oh, c'est chiant. Hein. Non, mais c'est galère. Non, c'est chiant. C'est chiant. Brac. Oh là là, oh je vole. Je suis concentré. Allez, gros virage. Non mais allez-y là. Mettez du challenge. Hein. Une médaille. Oh bah médaille d'or direct. C'est pas une médaille d'or, c'est un soleil. C'est une étoile. C'est pas un soleil, c'est une étoile. Ça y est, je confonds. Oh, regardez. Pouette, 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 pouette. Pouette, pouette, pouette. Mais easy, quoi. Mais non, mais c'est parce que j'ai joué à Mario Sunshine, moi, dans ma vie. Alors du coup, on attrape des soleils dans Mario Sunshine. Et puis, le soleil, c'est une étoile. Ah! Ah, vous avez vu le niveau s'appelle Bonne Vibration. Je pense que c'est en référence à Good Vibration de je sais plus qui là. Des Beach Boys. T'es dans ma tête. Des Beach Boys, exactement. Merci Silent, même si j'avais trouvé avant de te lire. Ah ouais, elle est finie. Là, pour l'instant, je peux rien faire d'autre. Là, il y a Mirayu, il est là. Ah bah, je vais... Bah, du coup, je vais au boss, hein. Du coup, je vais au boss. Donc, dans Mario... non, mais dans Mario... Il y a des références aux Beach Boys. Sans blague.
Allez, vole Mario, vole. Pouloup. Viens par là toi. Voilà. Merde. Merde, viens là. Ah bah ok. Oh là là, mais ça y est. J'ai le jeu en main là, les enfants. On va arriver à faire quelque chose. Par là, toi. Par là, viens, par là, viens, par là. Voilà. C'est goose là. Où y'a ça? Où y'a ça? Est-ce qu'on peut sauter dessus? Ça sert à rien. Super. Bon, il y avait des. Voilà, j'ai vu. Je vais crever, hein. Je vais crever juste pour récupérer 4 fragments, quoi. Vite les fragments. Attrape les fragments, merci. Ah ! Un boss, ça y est. Un vrai boss. Wahaha ! Alors, te voilà ! Inutile de déranger papa pour se débarrasser de toi. À l'attaque, Megapod, montre-lui l'étendue des pouvoirs des grandes étoiles. Même pas mort, remboursé. C'est vrai que je mens, hein. Je mens régulièrement. Hein. On dirait une mouche. On dirait une mouche. Et tu vas le poser ton pied, ouais. Merci. Voilà, bah, bravo. Allez, vas-y. Ouais, je fasse quoi là? Ou je pète la grille? Tiens là toi! Ah ouais, je peux péter la grille. Ouais. Effectivement. Et là, viens là! Non merde! Quoi là, viens là! Hop là! C'est tout? C'est le boss ça? Je vous avoue que je suis un poil déçu. Merci pour le GG. Et je vous avoue, ouais, c'est un peu la déception. Je m'attendais à un truc un peu plus péchu, quoi. Ouais, en vrai, c'est un petit GG, là. Regardez. Je ramène la super méga étoile à Harmony qui fout toujours rien. Regardez, ça débloque des trucs. Oh là là. Hop. Il a fait le boss le plus dur du jeu, First Try. Ouais. Bien compliqué celui-là. Hein. La salle de bain. C'est-à-dire qu'avant que j'arrive, la salle de bain, on pouvait plus y aller, quoi. Voici ce qu'on appelle le brasier, son intensité est proportionnelle à l'énergie dont dispose l'observatoire. La puissance des grandes étoiles que tu récupères lui est restituée, alimente sa puissance stellaire.
Cette force permet à l'observatoire de la comète de parcourir l'univers. Vous pensez que c'est de l'énergie propre, ça, ou pas? Si vous recouvrons toute notre puissance, nous pourrons même nous rendre au cœur de l'univers. Oh, un nouveau dôme s'est mis en marche. Nous appelons le dôme qui vient de s'ouvrir la salle de bain. Non. Pourquoi non? J'ai raté. Non mais j'ai commencé il y a 15 minutes, Guillette. Et bonjour. Comme tu as pu le voir, la carte n'indique pas seulement la position des dômes, mais aussi celle des galaxies découvertes, ainsi que toutes sortes d'informations utiles. N'hésite pas à me demander si tu ne parviens pas à trouver un dôme. C'est vrai que c'est tellement grand. Tellement grand chez eux. Allez, on y va pour le long jump. Hein. Pas que ça à foutre. On va long jumper. Hein. Ah, j'ai trop long jumpé. Ouais, mais j'ai des choses à laver dehors, la sniff. Dommage. Quelle idée d'avoir des choses à faire, quoi. En gros, avant que Mario arrive, tout était fermé, même la cuisine. Donc sans Mario, on va tous mourir de faim. Mais ouais, c'est ça en fait. Déjà, ils sentaient le fennec, à peu près tous. Parce que la salle de bain était fermée. Ça, c'est gratos, ça? Ah non. Allez, c'est parti. Il dormait pas aussi. Tintin. Oh, c'est chiant ça. Oh, les petites étoiles bleues partout là, c'est chiant. J'ai le souvenir que c'est galère ça. Pourquoi il y a une flèche là? Regardez. Non, bah non, marche pas. Alors, donc. Sans Mario, y a pas de vie. Comment ça va par ici? En week-end tous? Ouais, impec. On a réussi à faire ce qu'on voulait, même un peu plus, donc c'est plutôt cool. Les parents étaient contents. Par contre, merci à toi de me faire passer pour un mauvais fils. Hein. Merde. Mais non, mais... C'est le merdier. Oh, quand on tombe, c'est le merdier. Ah, faut continuer. Ah, j'avais pas compris. Je pensais qu'on se posait sur le machin, sur le cube en L, là. Ouais, je suis passé pour un mauvais fils, parce que toi, tu savais que c'était la Saint-Christine et pas moi. donc voilà. Allez, on rattrape ça. On arrive là. On peut récupérer maintenant. Voilà, mais tant de fragments. T'as vu par hasard? Bah ouais, mais moi j'avais pas vu. Alors moi, mauvais fils. Et toi, gentille fifille. Hein? Ah oui, d'accord.
Là ça va, les trucs bleus c'est plutôt simple hein, globalement. Après on va s'en taper des vraiment chiants. Hein. Des ou voilà, faut prendre de la... Ça va être des ou faut prendre de l'élan. Avant de slasher. Puis récupérer un autre, enfin ça va être... Ça va pas être simple. On peut y aller là derrière? Je vais aller en dessous moi. Mario va en dessous, merci. Ah il y en a d'autres! Il s'était caché. Je bosse jusqu'à 19h, après ce sera le week-end. Ah ouais. C'est chaud quand même. Aïe! Ah mais dis donc, eh, c'est marrant en plus! Ça l'a fait rigoler! Tiens, ça t'apprendra à rigoler. Merde. Vivement demain, premier concert de 2021. Ah ouais? Non. Christophe Maé redonne des concerts, ça y est? Comment ça, eux? Qu'est-ce qu'il veut? Où est le capitaine? Il s'est encore enfui le premier? J'ai perdu mes lunettes. T'en fous un peu, hein, j'oserais dire, mais... tu dois sauver mes amis aussi. J'ai vu en concert il y a longtemps Christophe Maé, mais c'est pas lui que je vais voir demain. T'as vu Christophe Maé? Ah, des heures de rigolade. Tada Mario, voilà la brigade Toad à la rescousse. Nous avons découvert un raccourci vers la super étoile. Utilise l'anneau étoile qui se trouve là-haut. Ouais. Ah ouais. Youpiou. Ouais, j'avais presque oublié, on m'a mis de force. Elle est là, il a l'air d'être plus proche. Je crois qu'il y a, il y a cela dans les niveaux à devoir faire avec un timing donné. Mais c'était pas mal en vrai, une bonne énergie. Ok. C'est qui que tu vas voir du coup? Tu nous dis ou pas là? Nananana la. Tada. Yep. Pouette, 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 pouette. Oh là là. Oh mais trop bien. Putain, je suis à la télé. Je suis à la télé pour de vrai.
Merci Gio. Alors, je sais pas si Gio ou Gio. Merci beaucoup si tu m'entends. Regardez, je suis à la télé. Merci. Bah, merci. Enfin, si tu m'entends. Merci pour l'initiative parce que c'est vraiment super sympa. Et voilà. Toi, je pense que ça anime le magasin. Nous, ça permet de nous faire connaître. Donc, n'hésitez pas. Twitch.tv/Tonyob. Merci. Hop, je vais vous mettre le lien dans le... Je vous mets le lien dans la chat... Dans le chat. Dans la chat. Je vous mets le lien... Dans... un quoi ? Je vais à un festival, il y aura 4 concerts. Je vais seulement pour Ozia. Allez, à découvrir. Elle est trop chouette. Non, j'ai dit le chat. J'ai dit le chat. Arrêtez un peu. Je vais me faire bannir. Arrêtez, je vais me faire bannir. Je vais me faire bannir du magasin, déconnez pas. Allez hop. Mais c'est chouette ce qu'il fait, enfin, je sais pas si... Ça se trouve, il y a juste l'image et pas le son. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ce qui vous intéresse de toute façon dans mon stream, c'est ma beauté. C'est ma beauté et mon skill, c'est pas la connerie que je raconte, quoi. La célébrité te fait vite mal tourner, c'est ça. Ça direct le cul, le cul. Et ben on y retourne. Pouette, 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 pouette. On sait quoi ? Non, Silent, j'ai besoin de toi. Silent, je vais avoir besoin de toi. C'est les Kamek. C'est les Kamek. Tu sais bien que les Kamek, je n'y arrive point. J'ai besoin de toi près de moi. Y'a les Kamek. Je n'y arrive pas. Alors, ah bah, non, il tourne. Tourne. Pitié, tourne. Mario, mes hommes infiltrés sur la flotte Kamek ne sont toujours pas revenus. En tant que capitaine, je dois les sauver. combien vous pariez qu'il va encore rien faire ? Captain Toad, bof quoi. C'est on bof quoi. Non, j'ai peur. J'ai peur des Kamek. Oh, mais regarde, il y a des vilains. Il y a déjà des vilains là. Ça commence. Il n'y a pas encore les Kamek, il y a déjà des vilains que je comprends pas quoi. Tiens. Tiens. Tu l'as fait, Captain Toad ? Non, je l'ai. C'est une honte. C'est une honte. J'ai le jeu, je l'ai encore jamais fait. Et j'ai le jeu. J'ai le jeu même pas sur Switch. Hein. J'ai le jeu sur Wii U. Voilà. Mais je le ferai en stream, du coup. Il est dans ma liste. Il est dans ma liste des jeux à faire. En stream. Donc c'est cool. C'est cool, du coup c'est plutôt pas mal que je l'ai pas fait parce que comme ça je vais pouvoir le faire en stream. Soyez heureux. Saute puis tournoi. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça alors que je peux faire un long jump? Ah merde, je fais comment par contre? Ah bah oui. Et voilà, non, j'ai compris. Vous avez vu, je secoue la manette. Plutôt que d'appuyer sur Y. Parce que... Ah là c'est... Ah, il est tombé. Il est tombé, c'est pas pourquoi. Tiens. Tiens. Attendez, il faut que je le réinitialise là parce que là quand je suis quand je suis au milieu, je suis tout à droite. C'est pas pratique. Mais je vois rien. La caméra, la caméra. Elle est où? Lance des carapaces sur les coffres. Tu peux lancer une carapace en agitant, en appuyant. Y'a un Kamek, genius.
Il est cool, pas très long en plus. Ah ouais, non, mais je sais, je sais. Tiens. Il a pris en pleine tête. En pleine teuté le Kamek. Hein. Zbri. Ouais. Oh. Ah ouais? On peut aller là-haut? Merde! Non, non, non! Reviens! Reviens, déconne pas! Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh la jolie salle! Vous avez vu ça? C'était mignon! Il se passe quoi si Mario s'envole, il meurt. Si tu t'éloignes trop en fait, si tu t'éloignes trop de d'un endroit où il y a de la gravité, t'es absorbé par un trou noir qui est pas loin. Et tu meurs. Possible d'aller plus loin avec ces satanés ploups pour essayer de leur lancer des carapaces. Putain, j'y avais pas pensé. Heureusement qu'ils sont là, j'y avais pas pensé. Bon bah déjà. De la vie en plus. Allez, salut hein. Tu vois derrière, en dessous là, on voit le trou noir en fait. Et donc si tu t'éloignes un peu trop, bah tu tombes dans le trou noir. Oh non, un gros Kamek. Ah oui, faut que je tournoie quand il passe à côté de moi, c'est ça. Ouais, voilà. Non, bon, pff, complètement à côté, hein. Ça brûle. Le feu, ça brûle. Les carapaces, ça brûle pas. Tiens, toi. Tiens, on t'amouille. Ah non, y'a d'autres Kamek. Au secours. Au secours, pas les Kamek. Tiens. Ah, y'a rien. Non, il s'est... Oh non, c'est dégueulasse, il s'est barré. C'est pas juste, hein. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un truc au bout là? Regardez ça, il y a des pièces. C'est tout. T'as pour 3 pièces? Moi je me crasse. Spouet, 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 spouet. Et on passe sauvegarder toutes les 3 secondes, hein, c'est chiant. Alors. Nouvelle galaxie, oh oui, oh oui.
Le... Oh non! Oh non, je me rappelle de la boule. Je me rappelle de la boule. Déjà, on va faire le dernier de celui-là. Zwep, zwep, zwep. Les cocons élastiques et arachnobos. Le nom est un peu compliqué quand même. Qu'est-ce qu'il y a à me dire ? Mes hommes sont partis chercher la super étoile sur cette planète, mais ils sont toujours pas revenus. Et donc lui il reste là comme un con. Je peux les tabasser comme ça. Oh mais ouais, oh mais tellement. Tellement mieux. Alors je sais pas, il y a une mécanique dans le jeu, je sais pas si vous avez remarqué. Mais si on tue les ennemis en leur sautant dessus, ça donne une pièce. Et si on tue les ennemis avec un tour bilol, ça donne des fragments d'étoiles. C'est une des mécaniques du jeu. Et donc en fonction de si on a perdu des points de vie ou pas, faut utiliser l'un ou l'autre. Enfin, j'ai tout loupé. Hein. Faut utiliser l'un ou l'autre en fait pour récupérer des points de vie quoi. Voilà, on est mieux. Je peux tomber là? Ouais. Ah! Un lume-lume. Et toi là, tu n'aurais pas des fragments d'étoiles? J'en ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je vais en manger plein. Dealing, je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 50, je me transformerai. J'en ai que 32 pour l'instant. Je vais lui ramener. Ne vous inquiétez pas, je vais lui ramener. C'est où l'entrée du bousin là? C'est là. Donc là, vu que j'ai besoin de fragments d'étoiles, vaut mieux que je les bute. Voilà, en leur tapant dedans comme ça. Pour pas qu'ils me donnent de pièces. Ils sont où? Mais ils sont où? Et voilà, et là j'ai mes fragments. On va pouvoir sortir et puis nourrir le lume-lume. Non, je veux pas passer là. Je veux nourrir le luma-glouton, là. Il est où? C'est où, c'est là? Non, non mais... Tu es où, petit luma? Tu es là. Il est là. Transformation. Hop, parfait. Quoi? Une planète en forme de tête de Yoshi? Bah il faut y aller hein. Aïe, oh les salauds. Merde, j'ai fait le con. J'avoue, j'ai fait le con. Thank you.
Donc ça c'est fait. Ah ! D'ailleurs là. Oh mais merde, il s'est arrêté avant ce con. Allez, fais pas l'idiot. Hein. Récupère la tête pour tes faux Lego. Mais oui, mais carrément. C'est évident. Pouette, 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 pouette. Pouette. Pouette, pouette. Vous avez trouvé une étoile cachée. Yo, yo, Yoshi. Il semble que les comètes farceuses se fléau de l'espace et fait leur apparition dans les parages. Les comètes farceuses changent radicalement les galaxies. Si quelque chose t'échappe à propos des comètes farceuses, va demander à l'Huma Comet là-bas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il avait l'air complètement défoncé. Hein. Donc ça y est, donc j'ai des comètes farceuses et j'en ai une sur la terrasse. Parlez. Tralala, tralala, les comètes farceuses, j'en fais mon affaire. Alors que fait-on aujourd'hui? Explique-moi. Ces comètes farceuses sont agaçantes, elles changent l'apparence des galaxies. La comète rouge imite le temps, limite le temps dont tu disposes. La comète blanche abaisse ton énergie à 1. La comète d'ombre, ton double te défie. Et avec la comète rapide, tes ennemis se déplacent plus vite. Tu devrais jeter un œil par toi-même, amuse-toi bien. M'amuser, c'est bon quoi. J'en ai vu une. Regardez. Comète rouge. Va falloir que j'aille vite. Alors là, petit bruit d'alerte. Attention, on prépare le bruit d'alerte. Attention, bruit d'alerte. Un contre-la-montre, oh là là. En fait, il va y avoir une montre. Et il va y avoir une montre et il va falloir que je casse la montre. Je sais plus où c'est. J'ai 4 minutes. J'ai 4 minutes pour vous dire que la planète, faut que je la fasse. Hop là. Oh, c'est pas passé. Ouais, vas-y, 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 ouais, 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 vite, dépêche-toi. Ouais. Aïe. Je vais aller vite. Non. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, mais il tourne. Des conneries, il fait des conneries. Vas-y, tu peux y arriver. Tu peux le first try. Je te fais confiance. Je parle à moi. Hein. Ah oui, on s'est fait. Blablabla. Non! Aïe. Quoi? Tiens. Merde, ça me donne des fragments. Moi je voulais des... Voilà. C'est ça que je voulais moi. Ah merde. Je me cache. C'est bon. Quoi? Ah oui, on passe derrière. Non! Allez. Trop bien. 2 minutes. Combien? 2 minutes. Eh, pas le temps.
J'ai pas le temps. Il faut que je lui casse la gueule. Bon, j'ai 2 minutes. J'ai 2 minutes pour le faire, ça devrait le faire. Super player ou pas super player? Merde. Oh là là. Oh la raclée. La raclée que je lui ai mis quoi. Il échoue ce boss. Bah il échoue mais il est décédé quoi. Attendez, est-ce que le temps s'arrête ou pas? Eh non, le temps s'arrête pas hein. Faut récupérer l'étoile. Hein. Faut pas déconner. Hein. C'est, faut récupérer l'étoile avant la fin du chrono. C'est moi où t'as réduit la qualité d'encodage? Ça m'accro pas mal. Alors oui et non. La qualité d'encodage est toujours la même. Par contre, maintenant... J'encode avec le GPU pour Twitch et j'encode en local avec le CPU. Et coucou Otodoshi, effectivement. Après c'est Mario aussi. Hein. Mario c'est tout coloré. Mario, il y a plein de couleurs et ça bouge. Donc ouais, ça m'étonne pas trop que ça fasse des gros pixels par moment. Je vais quand même vérifier, hein, mais la sortie... Hein? Ah. Mais non, mais pourquoi il s'est remis Ah non, AMD, ouais, non, c'est ça, ouais. AVC encodeur. Ouais, ok, non, mais c'est bien avec le... Hein, c'est bien avec le GPU que j'encode. Ok. Donc, ouais, c'est normal. Mais si tu veux voir les vidéos en excellente qualité, du coup, je te conseille d'aller les voir sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Et donc voilà, vous pouvez le voir en excellente qualité. Avec le replay sur YouTube. Vous pouvez faire les deux en fait. Vous venez sur Twitch. vous me regardez avec la qualité dégueu. Et derrière, après, vous me regardez avec la super qualité sur YouTube. Mais si. Le temps, vous l'avez. Tu perds combien de temps, Otto, honnêtement, tu perds combien de temps, Otto, par jour à dormir? Combien de temps tu dors par jour? Oh, merci, Genius. Trop, tu vois, tu perds trop de temps à dormir. Alors que... Tu pourrais regarder mes vidéos YouTube pendant ce temps-là, quoi. Après être passé sur le stream. Et une comète rouge. On va aller voir ça. Attention, alarme de comète rouge. Elle arrive, hein. Elle arrive. Le sentier des... Un peu plus près des étoiles. L'orage arrive, si je disparais, vous savez pourquoi? Ah oui, d'accord. Coucou Twinsen. Comment tu vas? Allez, faut pas déconner. Hein. Et j'ai pas le temps. Hein. Oui, vous avez vu, il nous bait. Il nous bait avec des pièces, mais on n'a pas le temps. Viens par là, toi. Il tente de sortir le parapluie. Bah oui, bah évidemment. Merveilleuse idée, hein, s'il y a de l'orage.
N'oubliez pas de sortir avec un parapluie. Et si vous avez quelque chose de plus grand qu'un parapluie, si possible métallique. Quoi? Ouais, mais vise, vise. Merci. Non mais vise. Allô. Oh là, mais non, mais non. Non, je suis en train de partir dans le vide là. Merci. Voilà. Non mais salut, 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 salut. S'en fout. Les toads, les toads. Tic-tac, tic-tac. Allez. Ma tactique, c'est l'attaque. Ah bah oui, bah je m'en rappelais. Je m'en rappelais qu'il fallait choper les merdasses, là, de manière rapide. Alors celui-là, je l'ai eu. Après, il y en a un en face. Non, arrête. Arrête de faire le con. Après, je vais par là. Non, non, j'ai pas eu peur. Non, c'est pas vrai. C'est... Qu'est-ce que vous disiez? Vous disiez des mensonges. Vous disiez des mensonges, j'ai pas eu peur, c'est pas vrai. Vous êtes méchant, hein. Hop. C'est parce que je passe à la télé, c'est pour ça que vous êtes méchant. Hop là. Da 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 da. Ouais, le parapluie sous l'arbre. Et les pieds dans l'eau, n'oubliez pas, hein, les pieds dans l'eau aussi. Très important. Je sors jamais sans mon cerf-volant un fil métallique pendant les orages. Très très bonne idée. Très très bonne idée. Encore une nouvelle galaxie? Mais je fais que ça. Je fais que ça que de découvrir des galaxies là. Qu'est-ce qu'il va me dire? Position ennemie repérée. Et cette fois-ci, nous y avons observé une énergie incommensurable. Je demande ce qui trafique. De la drogue. De la drogue. Il fabrique de la schnouf. C'est sûr. De la poussière d'étoiles. Du Stardust. Allez, on retourne là. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire cette fois-ci? Ah bah oui, c'est le truc, on a débloqué Yoshi là, mais... c'était pas Yoshi qu'on voulait. Ouais, non, c'est pour me dire, oh là là, mes collègues se sont fait attraper, mais moi je fais rien. Merci à lui, hein, évidemment. J'ai pas vu tes streams auto, tiens, en fait, ça donnait quoi ta reprise de Isaac? Parce que j'ai vu que tu avais repris du Isaac en stream, mais j'ai pas vu. Et du coup, je suis... Je suis interloqué. Je me demande comment ça s'est passé. Je me demande au bout de combien de secondes tu as ragé. Euh,
Je suis mort deux fois contre le boss dans la lave. Ah, contre The Beast. Oh bah déjà, t'es arrivé jusqu'à The Beast. Eh. Déjà, t'es arrivé à The Beast. Donc. Pour mal, pour mal. Moi, je me rends compte que j'ai de moins de mal avec The Beast qu'avec Mother. Poussière d'étoile dans la narine. Bah oui, la Stardust. La Stardust. La Ziggy Stardust. Pas de drogue, les enfants. Hein. Pas de drogue. Hein. J'ai ragé à peu près au bout de 14 atos secondes. Oh, il a cassé le truc avec sa tête. Hein. Merde. Merde. Ah oui, c'est, ça c'est les trucs qui s'agrippent. T'as vu? La Skybox est très encoder friendly. Ah merde. Faudrait que je regarde. Quoi? Ouais, c'est clair que ouais, c'est peut-être pas le. C'est peut-être pas le meilleur jeu pour l'encodage Mario Galaxy, là-dessus on sera d'accord. Après c'est de la faute de Twitch hein, si je pouvais balancer un peu plus je le ferais quoi, mais en même temps je suis quasiment au max de ma connexion VDSL. Je raconte peut-être des conneries là en fait en disant ça. Mais n'oubliez pas hein, sur... Merde. Sur mon YouTube, meilleure qualité. Hein. Déjà parce que c'est encodé par le CPU. Et qu'ensuite parce que je suis en 12 mégabits pour l'encodage en local record. Pas besoin de RTX, mon Procore il va tout faire. Ah non mais... Dans mon CPU il a combien là? Mon CPU là il est à 30% d'utilisation là. L'encodage au calme, hein. Franchement. J'ai fait le tour là? Ouais j'ai fait le tour. Alors. Attendez. Tiens, c'est bizarre ça. Oh! En quoi je suis rentré là? Coucou Melzekiel! Il va me manger au secours, aidez-moi! Non, il va pas te manger, arrête un peu. Regarde, pas trop loin, faut pas que j'aille trop loin. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Merde, non! C'est bon, j'ai réussi à en avoir. Merde, non, là, accroche-toi, accroche-toi! Paf! Et repaf! Oh là là, mais il y a moyen de l'enchaîner en fait! Oh là là!
Oh mais l'enchaînage quoi. Une araignée à 6 pattes, est-ce que c'est vraiment une araignée? Non mais reprends, reprends vite, non! Saute Mario, saute! Attention au pipi vert là. Tiens. Tiens. Non mais va, va sur le truc. Ouais merci. Oh tellement bien visé, tellement bien visé. C'est une coccinelle à trois yeux, mais enfin. Avec trois yeux, des bubons. C'est clair qu'elle a pas trop l'air de kiffer quand je lui touche les boules, mais. Ta-da-da! C'était une coccinelle, ouais, effectivement. Elle était jolie. Faut qu'ils bossent leur encodage vidéo chez AMD. Ah mais attends. Attends. Effectivement, faudrait peut-être qu'ils bossent leur encodage vidéo. Et derrière, je te raconte pas les bugs à la con. Il est possible que quand tu actives l'encodage AMD GPU dans OBS, ils te disent je peux pas le faire. Parce qu'il y a un truc qui s'est mal déroulé pendant l'installation des drivers. Je ne sais pas quoi, mais il y a des gens qui ont le problème. Et donc, il faut que tu désinstalles complètement les drivers avec DDU, le Display Driver Uninstaller, et que tu les réinstalles complètement. Il faut vraiment que tu vires tout. Ah ben, Nvidia, c'est mieux sur beaucoup de choses. Hein, Nvidia, sur beaucoup de choses, c'est mieux. Hein. Mais ouais. Ouais, donc j'ai dû complètement virer les drivers pour les réinstaller. Et derrière OBS il m'a dit ok, j'encode avec ton GPU, y'a pas de problème. J'ai rien touché, hein. j'ai rien débranché, j'ai rien rebranché dans le PC. Hein. J'ai juste viré les drivers, remis les drivers. Les mêmes versions. Incredible. J'ai un goinfre Luma, on va voir comment il veut, le petit goinfre Luma. Il est où? Il est là, regardez. Eh toi là, t'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je veux en manger plein. Dealing, je veux des fragments d'étoiles. Ok, on n'aura pas compris. Si tu m'en donnes 400, je me transforme. Oh, bah 400, mais easy. Ça y est, je suis repu. Alors on y va. Transformation. Ils ont repris ATI, ils auraient pu virer les mecs en charge des drivers quand même. Dépend des jeux, apparemment le dernier studio des jeux Amazon défonce une partie des... Ouais bah ouais, alors les 3090. Oui effectivement, comment ça s'appelle le jeu... T'as pas lu ça Patatarte? Mais ouais, mais le problème en fait... Alors le problème c'est pas dans le jeu... Non c'est pas une... c'est New World, c'est ça, c'est New World. Et en fait le New World défonce les 3090. Because, alors c'est pas dans le jeu, parce que dans le jeu en fait tu peux, t'as une limite quand même, donc le CPU, enfin le GPU part en couille. A priori c'est dans le menu. Dans le menu, les FPS sont tellement élevés que ça fait tourner le GPU à donf. Il y a vu que c'est pas limité. Et derrière en fait, ouais, il y a le firmware en fait qui gère pas vraiment, qui gère pas très très bien le fait que le GPU passe en surcharge. Et donc il fait cramer la carte. Donc il y a un peu tout en fait. Il y a un peu le jeu qui se bride absolument pas dans les menus. Il y a le driver qui limite pas. Et il y a le firmware qui dit ok. Comment ça le GPU? Le GPU est à 150 degrés? Ouais non c'est ok. C'est ok, on va continuer comme ça quoi. Donc le fait qu'il y a les trois, bah c'est donc... donc les gens... Attends, cramé jusqu'à ce que c'était à cause de la chauffe. Non, cramé. Cramé. c'est y a les composants claquent.
Parce que justement, en fait, souvent quand ça reboot et tout ça, c'est parce qu'il y a une sécurité qui se met en marche, en fait. En fait, quand ton PC redémarre parce que ton GPU chauffe trop, c'est parce que le GPU se met en faute, et derrière, en fait, ton OS reboot parce qu'il avait une sortie vidéo, d'un coup, il a plus de sortie vidéo, il s'arrête, quoi. Donc le PC reboot parce que ton GPU s'est arrêté. C'est pas possible, si la puce chauffe, ça s'éteint tout seul. Oh, mais Patatart, tu es jeune. Patatart, tu es très jeune. Tu sais qu'en fait, le fait que les puces s'arrêtent ou se downclock quand elles ont le throttling, voilà, c'est ça. Exactement ça. Et bah, le problème, c'est que les 3090, c'est... alors, je sais pas si... Ouais, les 3090, il me semble que c'est des 3080 qui sont poussés à donf, en fait. Et donc, ouais, ça doit pas être la même gestion. Mais il fut une époque, Patatart, où le throttling ou le fait de s'éteindre tout seul quand ça chauffait trop, ça n'existait pas, en fait. Je sais plus dans quelle année, dans les CPU. Ouais, dans les CPU, avant, ça n'existait pas, en fait. Donc tu pouvais overclocker un truc à donf, et jamais ça baissait en fréquence parce que c'était trop chaud, quoi. Jamais. Donc tu pouvais cramer physiquement des composants, vraiment. C'est les ouais, quand on introduit les... Ouais, c'est pas con. C'est pas con. Il est possible que ce soit con. J'ai jamais poussé du matos quand j'étais jeune. Bah, mais quand t'étais jeune, en fait, quand tu poussais du matos, il y avait déjà ces sécurités-là, quoi. Moi, je vous parle d'un temps. Je vous parle d'un temps où j'ai poussé mon Pentium 120 MHz. 120 MHz, hein, je répète. 120 MHz. Où je l'ai poussé à 133 MHz. Et déjà, mon pote, ça chauffait, hein. Les PC à bain d'huile, oh ouais. Oh, les calypso huile. Les calypso huile. Oh, les ouf. Ou je sais pas si... Alors, j'ai l'impression qu'il y en a moins maintenant. Mais où les mecs, ils faisaient des concours d'overclocking. Ou les gens, d'ailleurs. Faisaient des concours d'overclocking à l'azote liquide. Et donc, ils atteignaient des 5-6 GHz. Bon, pendant 3 minutes. Mais mais derrière... Je touche au PC depuis genre 2005, ouais. Bah, il n'y avait pas encore... Je pense qu'il n'y avait pas encore les sécurités en 2005. Mais donc, ouais, en fait, là, typiquement... En fait, mais... Et du coup, c'est du logiciel qui gère ça, en fait. C'est pas du hardware. C'est uniquement un logiciel. C'est le logiciel qui est embarqué sur ta carte. Donc, c'est le firmware. C'est le firmware qui gère ça. Donc, si le firmware est buggé... Et qu'il y a certaines conditions qui font que le throttling se fait pas ou la carte s'éteint pas, et bah derrière tu montes en fréquence, tu montes en température, sans jamais que ça s'arrête, en fait. Ton QX 9770 à 5,2 GHz stable pendant une heure. Oh putain. Ah, faut faire ça l'hiver par contre, hein. Faut faire ça l'hiver parce que sinon... Merci du renseignement. J'ai une 3090 FE. Pas que je teste le jeu. Ah non, bah non, évite. Évite pour l'instant, tant que c'est pas réglé, évite, ouais, effectivement. Après, de ce que j'ai lu, c'est surtout certaines marques et les Thunder Edition, a priori, sont pas... sont probablement mieux faites. En fait, le problème, c'est... Ouais, c'est ça, c'est... Nvidia, je pense qu'ils font des firmwares plutôt corrects. Derrière, les constructeurs, bah, ils rajoutent leurs trucs, ils rajoutent de l'overclocking et compagnie. Donc évidemment... D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils mettent pas de protection thermique hardware. Ça rajouterait quand même pas mal de... Ça, bah, tu vois, je suis même pas sûr que ce soit, enfin, ce soit des meilleures puces, en fait. C'est les mêmes puces. Mais derrière, le firmware est peut-être un peu mieux géré, quoi. C'est principalement les cartes EVGA. Ok, d'accord. Même les visseuses en ont maintenant. Ouais, mais sur un CPU, ouais, je sais pas. On peut faire de la musique dans Mario, c'est fou. Allez, on va faire défi de la boule. On va bien s'amuser, hein. Même les batteries maintenant ont des des sécurités. Mais c'est pareil, c'est du logiciel. Sur les batteries, c'est pas du hardware, c'est logiciel. C'est ça.
De mémoire, les FE ont deux grosses puces d'un certain type, alors que les marques moins chères économisent sur la qualité ont une seule de ces puces. Je pense que c'est... je pense que c'est pas le GPU. C'est pas le GPU, ça doit être... Ah non, les batteries, doit y avoir des BMS. Des TMS, des troubles musculo-squelettiques, non. Et non, sur les économies sur les cartes, c'est plutôt sur les régulateurs de tension. Tout ce qu'il y a autour du GPU, mais le GPU c'est exactement le même qui est fourni par Nvidia en fait. Donc ça va être les mémoires qui vont être un peu moins chères, et derrière, et les régulateurs de tension. C'est les étages d'alimentation. Et souvent, ouais, ils font des économies là-dessus sur les étages. Alors, et oh, si tu veux monter sur la boule étoilée, écoute-moi bien ce que panneau d'affichage a à te dire. Bien, tout d'abord, saute sur la boule. Bon, tu es en position, alors essaie d'imiter l'exemple. Voilà, c'est la position de base. Depuis cette position de base qui est super inconfortable. Là, regardez, j'ai la manette, elle doit être vraiment à la verticale. C'est super inconfortable. Et je fais rouler la boule. Ensuite, saute un pion sur B. Écrabouille ceux qui sont sur ton chemin. Enfin, la partie vaut mieux qu'un long discours. Essaie d'aller jusqu'au bout. Super galère. Hein. Ah! Oh! Ouais, je descends. Je vais à Donf. La concentration d'un homme. Ah, battery management system patate. VGA, hein. Pour être plus précis, je me trompe pas. Super surpris, il est sûr sur ce coup. VGA est alors irréprochable pour moi. Carte graphique équipée, un écran hold intégré pour surveiller le système et étage des putes. Ah oui, d'accord. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo qu'ils mettent des systèmes pour avoir la température, tout ça, on est avec l'écran en façade. Et que derrière, ça se peut pas gérer, quoi. Est-ce qu'ils ont mis un petit message, votre GPU est en train de brûler? ça serait pas mal. Ah, OLED. Je l'avais pas, hein. Je vous avoue, je l'avais pas. Attendez, les petits écrans de merde là sur les cartes graphiques, c'est des écrans OLED? Sans déconner. On marque sur une 3090, ouais, qui vaut 4000 boules. Et ouais, donc c'est ce que j'avais commencé à dire. Et donc vous imaginez les gens qui ont... Quoi? Hein? Les gens qui ont réussi à avoir une carte graphique malgré la pénurie. Qui est une 3090 qui vaut super cher. Et malgré ça... leur carte graphique elle meurt parce qu'ils ont joué à un jeu qui est moche. Parce qu'il faut avouer, hein, New World c'est moche. Hein. Excuse-nous Jeff. Hein. Mais ton jeu il est moche. Hein. Imaginez les boules. Ça doit foutre les boules quand même, non? Ah, il n'y a pas un truc avant? Non, c'est bon. Pouet, 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 pouet. Les flammes qui sortent de la tour sont là pour t'indiquer que c'est en train de cramer.
On se croirait dans Fast and Furious. Et le problème d'après WCCF Tech, qui fait que la 3090 est la seule concernée, viendrait de son tampon mémoire 24 Go. Un tampon mémoire de 24 Go. Attends, elle est ouf. Il se pourrait que l'instance initiale du jeu soit trop lourde pour les puces mémoire ou le GPU. Mais je compte pas être genre toi, mais tu comptes pas y jouer. Bah ouais, effectivement. Qui entraîne des températures élevées, entraînant des dommages permanents aux composants. Oh là, c'est ouf. Et le firmware pendant ce temps-là qui cueille des champignons, ouais, c'est ça, c'est... Oh Oh, mais c'est mignon, ça. Oh, dis donc, il y a plein d'images qui passent. Il y a plein d'images qui passent. Comment on est trop bien. Fait chaud ici, non? Fait chaud un petit peu, non? Non? Oh non, bon, ça va, alors. Je vais pas me brider. Ça se trouve, en plus, c'est vraiment prévu dans le firmware... pour derrière avoir des meilleurs scores sur les tests. C'est peut-être un truc, les mecs se sont peut-être dit, putain, si on fout du throttling derrière, sur les tests un peu gourmands, on va avoir 4 points au moins à 3D Max. Est-ce que ça existe toujours 3D Max ou pas? si on virait les CQ, ça serait quand même vachement mieux, les gars. C'est quoi le gros chiffre avec un degré C derrière? Ça se trouve, ils ont confondu. Est-ce qu'ils auraient pas confondu Fahrenheit et Celsius? Est-ce que les gars ont pas confondu Fahrenheit et Celsius? La question reste ouverte. Degrés Fahrenheit, c'est ok. 100 degrés Fahrenheit, c'est nickel. Non, mais y a personne qui utilisait Calvin. Non, mais ça se trouve, ouais, ça se trouve, c'est une connerie comme ça, quoi. 100 degrés Fahrenheit, easy. Sauf que derrière, c'est des Celsius. Igor Labs sont convaincus que la conception des cartes EVGA est la véritable cause de la destruction des cartes graphiques des utilisateurs. Cité, EVGA a décidé d'utiliser son propre système de contrôle, l'utilise chez Nvidia. Cette puce gérant le contrôle du ventilateur semble être la source du problème. Oh là là. 350 degrés Kelvin, je suis large. Y'a quoi au bout là-bas? Regardez. Y'a une planète chelou là-bas. Alors des fois dans le jeu, ce qui est un peu chiant, c'est d'arriver en dessous des plateformes. Des fois c'est un peu relou, faut avouer. Aïe. Ok, merci. Attendez, on va quand même l'avoir lui. Si jamais j'ai un Luma gourmand là, qui me demande des étoiles, je vais avoir les boules. Des pièces, je vais avoir les boules. Donc let's go. N'empêche que les processeurs de 3090 doivent être en mode yes fine, ouais. Parce que du coup c'est vraiment pas la faute du jeu. On pourrait arriver sur une autre... Bah ouais, non mais... En fait là c'est arrivé sur ce jeu là parce que les conditions ont fait que quoi. Les conditions ont fait que dans le menu. En plus, c'est quand même con. C'est quand même con que ça arrive à cause d'un menu de jeu. Quand même. Tu pourrais te dire ça pourrait arriver en gameplay et tout, mais non, c'est à cause du menu. C'est ballot. Alors, c'est parti.
il faut éviter de se faire toucher. Aïe. Je crois que celui-là, la comète farceuse, c'est le faire sans se faire toucher justement, il me semble. Je suis plus très sûr, mais ça me semblerait pas déconnant que ça soit ça. Ce qui est faisable, hein. Ok, donc là il y a rien. Aïe merde, je suis trop con. Donc ici, nous avons... Coucou. Coucou. Parfait. Coucou. Reviens, reviens. Ah, il y a une vie. Coucou. Viens avec moi toi. Viens. Mais non, pourquoi il est pas venu? Bouge-toi dessous. Viens là. C'est bien. C'est bien mon petit. Voilà. Une vie pour papa. C'est parfait. Viens par là, viens par là, viens par là. Ouais, parfait. Oui, c'est bien. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Oh non! Viens avec moi. Ben voilà. C'est pas un niveau de décharge avec des bombes. Hein? Hein? Mais EVGA, c'était les Rolls. Bah ouais, bah... Un changement de technique de vente. Encore une fois, une sonde de température connectée sur la lime. Il n'y a plus jamais de soucis. Même s'il ferme mourir avec défectueux. Ouais, c'est vrai. Ah, pour la farceuse, je sais pas. Je sais plus. Encore une galaxie? Mais que de galaxies? Alors, bam, une nouvelle. Les Larms. Je sens que ça va me faire rire. Ah, c'est les plateformes qui s'en vont quand on marche dessus. I do remember. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Ici, le plancher disparaît quand on marche dessus. Fais bien attention. Voilà. Regardez ça. Voilà. Mais à quoi ça sert un plancher? Dès que je pose un pied sur le plancher, il disparaît. C'est dangereux. First try GG.
Il y a encore moyen quand même de passer à côté. Hein. Eh bien, électronique, la solution existe déjà. Une thermistance permet de baisser, laisser passer le courant. Non, c'est une température. Du coup, c'est 100% ardois, parfaitement fiable. Ouais. Après, est-ce que c'est vraiment... Enfin, toi... Ça a pas la souplesse, ça a pas la souplesse d'un firmware, quoi. Ah ouais, non, je pense que Otto, il parlait que les constructeurs mettent ça en place, quoi, en fait. Que vraiment, quand ça dépasse un seuil vraiment énorme derrière, il y a juste une coupure de jus, quoi. Je pense. Il précisera. L'infiltration de la forteresse. On va faire des infiltrations. Parce que la forteresse, elle a mal au genou. La forteresse, elle a mal au genou, on va aller faire des infiltrations. Gigabit est pas bien du tout, c'est eux qui chip sur le moindre truc. Je confirme que Gigabyte, ouais, ouais, je suis pas très content moi, hein. Je suis pas très content. MSI et Asus sont bien mais juste les plus populaires, meilleur par qualité prix. VGS ça serait du bon, il y a toujours moins 5% plus cher que la concurrence. Meilleur ventirade, pas de chip sur les RAM et compagnie, ok. Hein? Ah oui, d'accord. On a le temps quand même. Ah ouais, il y a méga le temps en fait. Il y a genre méga le temps quoi. Il y a un lume-lume. Qu'est-ce qu'il veut le lume-lume? Étoile A, tu verras pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je vais en manger plein. Je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 30, je me transformerai. J'en ai 36. Ça tombe parfaitement bien. Ah oui, non, pardon, mais de toute façon, c'est au constructeur de prendre ses responsabilités. Ouais, bah clairement. Ouais. Transformation! Est-ce que vous saviez que j'ai une GoXLR? Une nouvelle planète est née. Carrément, quoi. Carrément, quoi. Nouvelle planète. Oh non, c'est les trucs... Oh, j'aimais pas ça. Ça, j'ai des mauvais souvenirs de ce truc-là. Faut tout nettoyer. Y'a rien à dire par ici, c'est un cul de... Attends, y'a rien par ici, c'est un cul-de-sac. Qui une décharge. Mais qui a fait ça? Qui a jeté des déchets recyclables ici? Dis, si je te prête le nécessaire, tu veux bien mettre un peu d'ordre dans le coin? Je m'en occupe. Alors, je compte sur toi. Boop, boop. Let's go! Pète! Marche pas? Ah, les salauds quoi.
Non ? Oh bah c'est déjà mort. salut, c'est déjà mort. Ah, peut-être que finalement ça va le faire. Non ! Tout non, non, dans le fond ! c'est comme si Mercedes mettait plus de rupteur sur le moteur. Du coup, tu fais un fond de première un peu forcé. Et bim, tu sers ton moteur. Oui, c'est ça, ouais. Si, non, mais le rupteur, ça sert à rien. Ça sert à brider les perfs des voitures. Hein. Les cartes graphiques sur conseil, j'ai acheté une marque que je connaissais pas. Et ben, elle est top en vrai. De chez Kafka. Kafka 2. Jeune constructeur, j'ai l'expérience pour eux, donc je sais pas. Mais content pour toi, ça marche bien. Voilà, je me rappelle pourquoi. je me rappelle pourquoi je kiffais pas. Hein. Allez, vas-y. Non, mais il a pas jeté. Oh là là. En même temps, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, j'avoue. J'avoue, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, mais quand même, le jeu pourrait faire un effort. Mais non, mais c'est... non mais non mais c'est déjà la... c'est déjà la merde, c'est déjà la merde. Ça pète pas. On peut pas les faire péter avant les bombes. Y'a pas un moyen de les faire péter plus vite. Hein, tu veux bien t'en charger? Oui, je m'en occupe. Y'a pas un moyen de faire différemment. Oh oui, ça va être bon! Mais pète! Ah ouais, quand même! Ah, ceux-là, ils sont sérieux. Franchement, les timings sont sérieux. Tiens, j'ai trouvé ce truc-là, je te le donne si tu veux. Merci. On voit les bombes sur les points jaunes. C'est ce que je faisais. C'est ce que j'essayais de faire, quoi. Je comprends pas pourquoi EVGR qui choisit de refaire le firmware plutôt que d'adapter celui du média pour ensuite se larder sur la sécu. Ouais, non, mais c'est clair. Game pas une qualité. Pour une carrière, mais je comprends que c'est plus agréable. Comment? Attends. Ultra silencieuse. Ah oui, bah oui. Ouais, mais c'est important quand même. Hein. Les cartes graphiques qui sont 0 décibels, c'est quand même c'est pas mal quoi. Parce que les cartes graphiques qui ventilaient déjà pleine balle alors que vous faisiez rien avec, ça faisait un peu chier quoi. Eh, hey, salut Season, salut tout le monde. Bonjour les raiders. Bonjour les raiders de Season. J'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes bien amusés chez Season. Ici, vous allez voir, on parle carte graphique qui... on parle carte graphique qui crame. Sur un jeu, bah, d'ailleurs, Season, il joue le jeu là, le jeu moche. Le jeu moche de Amazon. Elle y joue Season. J'espère que tu n'as pas une 3090 Season. New World. Exactement. J'espère que tu n'as pas une 3090 parce que sinon... elle va faire chou chez toi quoi. Faut acheter une 3DFX et plus de soucis. C'est vrai qu'une 3DFX à l'époque, il y avait juste un gros radiateur dessus et il n'y avait pas de ventilation active. Ah. Et ça marchait très bien. Quand ça tourne à fond, faut que bien que ce soit refroidi. Ça veut pas dire que... voilà. C'est pas parce que c'est 0 décibels que derrière t'as pas un bon système de ventilation quoi. Je suis pas riche. On parle des barbecues sur le GPU. Alors et puis vous êtes plutôt team carte graphique à l'horizontale ou carte graphique à la verticale derrière votre beau boîtier en plexi. Il y a ça maintenant aussi. T'étais sur quoi, Season? Est-ce que ton stream s'est bien passé? Est-ce que tu es contente d'être ici?
et pourquoi personne d'autre ne parle. Voilà. Certes, mais pour froidir, faut déplacer de l'air et ça, ça fait du bruit. Ouais, peut-être que Melzekiel parle de en faible charge, quoi. En faible charge. Mais peut-être qu'en charge de Adonf, peut-être que ça ventile. Enfin, j'espère du moins. Il est bien New World, j'ai pas de problème dessus. La seule, le seul problème, c'est qu'il y a, c'est les serveurs. Le truc des cartes graphiques, ils ont dit faut désactiver un truc. Ok, d'accord. Ah, mais il y a Grand Thief. Comment vas-tu, Grand Thief? Longtemps que je t'ai vu sur le stream. J'espère que tu vas bien. Enfin, je t'ai vu chez Season la dernière fois, mais... bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. Et en plus, aujourd'hui, je passe à la télé. Je sais pas si vous saviez, mais... aujourd'hui, je suis à la télé. Donc, déconnez pas. Hein. Déconnez pas, soyez gentil, tout ça. Coucou Lidja, bienvenue à toi. Bienvenue à ton premier message sur ce stream. Ta carte graphique a des pages jamais 48 degrés. Enfin, c'est le... c'est la température qui fait chez moi à l'intérieur. Et j'ai pas fait le point météo aujourd'hui. Petit point météo. Aujourd'hui, il fait 27. Attendez. Hop. Ah merde, vous voyez à l'envers. C'est con. Bon, il fait 26,9 à l'intérieur. Et il fait tiré à l'extérieur parce que ça déconne encore. C'est le moment de faire du 18+, du coup. Bah allez-y, hein. Allez-y, franchement, moi c'est comme d'hab. Hein. Ok. Voilà, et on est sur du Mario Galaxy. Et on est fort et ça marche bien. Chez moi, c'est pluie et vent de ouf. Bah, nous pas encore. Hein. On a eu un peu de pluie aujourd'hui, mais... ouais, non, pas des masses, quoi. Pas assez pour que la température descende, quoi. Et donc, je transpire encore beaucoup trop du fion. Ouais, mais peut-être qu'elle se rotole, moins 48, j'en doute. Et qui dit refroidissement silencieux, généralement, faut refroidissement plus faible. Et donc, chauffe. Et donc, au final, throttling. Donc, point de performance juteuse. C'est vrai, pourquoi on dit juteuse sur les performances? Qu'est-ce que c'est que ce... qu'est-ce que c'est que ce... cet adjectif pour les, pour les performances? Est-ce qu'il y a une histoire derrière tout ça? Merci encore beaucoup, Season, pour le raid. Ça me fait bien du plaisir. Plus tu as des gentils viewers. Donc c'est plutôt cool. Je suis là avec ma bombe à la main. Ça va me péter la gueule. Allez. Merci. Elle a un bloc à ailettes énorme et deux gros ventilateurs qui se mettent en route au-dessus de 50 degrés de mémoire. Parce qu'on aime bien le jus en général. Ouais. Ouais. Maybe. Est-ce que je peux faire... Non, je peux pas faire ça. J'allais dire, est-ce que je peux faire un long jump avec une bombe à la main? Ça me pétait la gueule. J'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Promis, j'ai pas eu peur. Hop là. Brrr. Ok, bon. Alors l'étoile de l'autre couleur, là, on va pas la prendre. Parce que on le sait maintenant. Quoi? Hein? Comment j'y vais, là? Comment je le casse, ça? Non, 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 prends pas ça. Prends pas ça, on a dit, prends pas ça. Au secours! Faut pas les faire bouger, hein. Ah, d'accord. Je n'avais point vu. Ah. Faut vraiment y aller. Je vois rien, je vois rien. Merci. Putain, ça a pas pété le truc. Je vais aller... Je reviens, je vais aller fermer la fenêtre là-haut.
Désolé, je suis parti un peu précipitamment. Tonya prépare la piscine pour le hot tub apparemment. Oui, c'est ça. C'est ça, il s'est mis à pleuvoir gros comme ça. En fait, là, j'entendais un bruit, parce que le casque, il isole vachement bien. Et j'entendais un petit bruit quand même. Et ouais, non, il flotte à mort, quoi. Et j'avais la fenêtre de la chambre qui était ouverte. Donc là, c'était un petit peu... C'est un peu l'inondation là-haut, quoi. Ça va, c'est OK. J'ai porté la poisse des... Non, mais bah, tant mieux. Oh, je suis tellement content qu'il pleuve. T'as pas idée, hein. Moi, je suis pas un petit gars du Sud, hein. Moi, je suis vraiment un petit gars du Nord. Moi, la Normandie, c'est juste le climat parfait pour moi, hein. Il y a des gens qui vont gueuler en disant oui, la Normandie, tant de merde et tout. Des gens peut-être même dans le chat, tout de suite maintenant là. Mais ah ouais, non, moi ce que je kiffe, c'est le frais et la pluie, quoi. Il en manque un? Je les ai pas tous butés. Moi aussi, j'étais heureuse qu'il pleuve. La magie des casques fermés, ouais, non mais j'entendais vraiment. Et pourtant, il pleut vraiment fort, hein, ça fait du bruit. Hein. Ah, mais non, faut que je l'éclate lui en fait. Moi, j'ai 30 degrés chez moi, j'ai trop chaud. Ah bah ouais, moi, j'ai 27 là, et c'est pas ouf. Le frais était giga bon, sauf que je peux pas ouvrir cette putain de fenêtre de mort parce que j'ai un putain d'appart de mort. Voilà, j'ai d'ailleurs. Comment ça, tu peux pas ouvrir la fenêtre? Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir rouler sans perdre 60 chevaux à cause de la clim. Ce qui est plus possible chez moi. Ah! Ah! Dommage. Ah, monsieur met la clim, quoi. Il y a des origines normandes au 8ème. Je dirais rien, par contre, je regarde les Bretons avec un 8ème d'auténisme. L'autonisme, c'est le sport avec les raquettes, là. Non? Qu'est-ce que fermer quand le ventilo tourne à fond? C'est l'organe... Ouais, ça fait un bruit de dingue, j'en peux plus d'entendre les scouts démarrer au feu rouge. Ah, merde! Ah, ok, ouais, donc, ouais, tu as la possibilité... Transformation! Tu as la possibilité physique d'ouvrir la fenêtre. Mais malheureusement, c'est trop le bordel, quoi. Ok, je comprends. Eh bien écoute, je te conseille d'aller mettre des clous. D'aller mettre des clous au niveau du feu rouge. Et une fois que tu auras bien placé plein de clous au niveau du feu rouge, normalement, plus de problème. Tout sera pardonné. Aïe. Bon bah j'ai eu ma vie, je suis content. Mais non mais... Espèce de con. Mais quelle espèce de con. Je vous jure, il est con le con. Hein. Voilà, on va être mieux. Faut cramer le mec qui a inventé le 50cc. Hein? J'adore ce genre de niveau. Mais j'adore tous les niveaux, moi, dans Galaxy. Hein. Ce jeu, vraiment, c'est... Non, en fait, c'est de la merde. Non, j'adore ce jeu. Franchement, ce jeu est tellement bien. La bonne nouvelle, c'est que si tu t'éclates sur tous les pics, il n'y en a plus. Le problème, c'est que t'as... Oui, c'est vrai. Le moteur 50cc. Oui, mais j'ai pas compris c'est quoi le rapport avec EVGA en fait. Et vas-y! Mario de merde! Voilà! Oh non! Oh, il était dessus! Ah, j'ai mon onduleur qui vient de faire un clac-clac. Si vous me voyez plus dans 30 secondes, vous savez pourquoi. C'est juste pour ça?
C'est juste pour ça, c'était merdique. Moi j'ai la haine. Attendez. Je crois qu'il y a vraiment plus de jus. Attendez, je vais aller vérifier. Ah bah non, parce que l'écran marche encore là. Là, l'écran il est branché sur le nom d'ondulé, il marche encore. Non, c'est bon. C'est bon. On parlait de la 3090 jusqu'à. Il est pas online ton onduleur, si. J'ai une tronche à prendre un onduleur offline, franchement. Non mais sans déconner. Sans déconner. Bah t'es safe. Alors en fait non, je suis pas très safe. Je suis pas très safe parce que la batterie, en fait c'est ce qui me fait peur, c'est parce que la batterie de l'onduleur est morte. Et ça pourrait être un line interactive. Non, il est online. Et Quoique, c'est peut-être un line interactive. C'est peut-être un line interactive. Mais ouais, la batterie est morte. Faut que je la change. Mais et là, présentement, à peu près 14 secondes d'autonomie, je pense. Attention, hein, ne pas confondre autonomie et autonoshi. Hein. C'est pas pareil. Hein. C'est pas les mêmes. Hein. Un onduleur avec une batterie morte, dis-nous en plus. Bah, ça marche moins bien, quoi. Quoi ? Quoi ? Pourquoi ça a rien fait ? Non, je vous avoue, effectivement, ça, y a moins d'intérêt. Y a moins d'intérêt hein, sur le. Je vous déconseille. L'onduleur batterie morte, je. À déconseiller. Et du coup, si elle est morte, c'est donc elle a interactive en online. Ah oui, bah oui, effectivement. Oui. Bien vu. Attendez, qu'est-ce que je peux faire ? Non, mais je vais le déglinguer, lui, quoi. Oh, à côté, j'ai tout mis à côté. Ah oui, d'accord. Paf, je l'ai libéré. Tu es libéré, mon petit. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau, ce jeu. Bon, pas chez vous, parce que... pas chez vous, parce que du coup, la compression fout la merde, mais... mais moi, si vous voyez... Si vous pouviez voir ce que je vois, franchement... Et le jeu est super vieux, quoi. Le jeu est super vieux, mais il est encore tellement joli, quoi. Quoi ? Ah non, mais il faut que je prenne... Mais c'est où ? Elles sont où, les bonbons ? Les bombes, elles sont... Ah putain, les bombes, elles sont là. Ouais, d'accord. Eh, faut pas déconner, quoi. Aïe ! J'ai réussi. Ah, mais là, une interactive, on a excellent temps de réponse maintenant. Alors, sur l'inconvénient, c'est l'efficience qui est bof bof. Si 10 ans, c'est super vieux, t'es turbo giga vieux. Quelle indignité. Je sais même pas quoi te dire en fait. je sais même pas quoi te dire. Non ! Ouais, super, j'ai eu ma vie. Turbo Giga, c'est pas un peu 1984 comme expression. Attention parce que j'ai peur, parce que Batatarde commence à dire que je suis un MILF. Non, pas... non, un filf. Un filf ou dilf? Attends. Attends, c'est filf ou dilf? Du coup, c'est dilf. Vous êtes mis d'accord, c'est dilf.
Ah mais bientôt 40 piges moi. Moi je suis plus proche des 40 que des 30 hein. Pour ça te faudra un enfant. Ah c'est vrai d'ailleurs ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il faudrait des gosses ouais. Ouais. Et puis le 25 août. Le 25 août normalement. Hein? Pour la deuxième fois. Pour la deuxième vasectomie. La deuxième. Est-ce qu'on fait les paris? Est-ce qu'on fait les paris? Ah ouais, bah tenez. Regardez. C'est le moment. Paf. Tac. Hop. Est-ce que... la deuxième... vasectomie va être la bonne. Oui. Non. Lol. Après, vous avez le droit de voter en plus avec des bits et des coins. Quoi? Ah. Un bit. Et sans coin. Allez, c'est parti. Allez-y, vous pouvez voter. Est-ce que ça sera la bonne ou pas? On verra bien. Rappel qu'il n'y a plus de gosses. Rappel qu'il n'y a plus de snip. Hein? Quoi? Si tu veux, je peux m'en charger de ta vasectomie. Garantie 0% fertilité. Il y a un gros orage dehors. Allez, on retourne à la forteresse. On va finir la dernière là. Après, je ferai une petite pause, je pense. Ah oui, non, mais la vasectomie, hein, sinon je peux la faire moi-même. Hein, deux pierres. deux pierres et puis une bonne dose de courage, et puis c'est ok, quoi. C'était hier l'orage perso, avec la grosse pluie, c'était giga bien. Ah, nous, on a eu. Hier, ici, on n'a pas eu beaucoup de pluie. Ça a vraiment tonné fort. Par contre, il y avait zéro pluie avec, quoi. Oh! Il y a des taupes. Fais attention aux taupes. Je peux leur casser la gueule aux taupes là. Ah non. Non, je peux pas. Ok. Vas-y. Mais attrape l'autre. Merci. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Ah, il me voit plus. Il sait pas où je suis. Un petit R comme Rabia. Eh bien, tout de suite. R comme Rabia. Hop. Dun, dun. Moi ouais, j'ai juste les nuages hein, du coup et juste plus chaud, merde. Un petit thé comme Tony Hobb, bah attends. Hop. Thé comme les deux, quoi. Tony Hobb. Zbrrrp. Ah ça bouge. Attention ça bouge. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a toujours des trucs en dessous. C'est des petits coquins dans Mario hein. Toujours des trucs planqués. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Ah si. Ah si, t'inquiète. Hein, je pense que Rabia sans moi, effectivement, il y aura peut-être des petits problèmes. Mais moi sans Rabia, ça passe. Hein. Je suis content quand elle est là. Je suis content quand elle fait des câlins. Mais derrière, je peux m'en passer. Hein. Viens par là toi. Bon. Merci beaucoup pour te remercier. Je vais te montrer un raccourci. Transformation. Y a pas idée de dire ce genre de choses. Mais pourquoi? J'ai pas besoin de Rabia pour vivre quoi.
Vous êtes mignon. Je kiffe mon chat. Hein. Oh. On va faire ça en fait. Ah. J'ai trouvé le toyo. Alors. Quoi y a ça là? C'est pour ça. Tiens, toi, t'as rien vu là. Toi, t'as rien vu. Hein. Alors, je me suis fait toucher, mais téléporter sur le truc. C'était très étrange. Merde, 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 y'a du feu, y'a non. Quel con. Quel con. Je vous jure. Bah ça aussi c'était con. Ah bah non, je peux faire du wall jump. Non, arrête. Wall jump. Voilà. Merde, pas assez rapide. Ah. Bon, on va essayer de le faire normal. Mais non, mais... Oh là là, qu'est-ce qui me fait le jeu là? Ah voilà, j'ai une vie. Parfait, je suis content. Je me cache, je me cache. Ouais. Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse casser les trucs. Allez, let's go. Un petit Jean-Michel à vous. Vas-y, patatarde, dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que vous allez me faire faire de ridicule aujourd'hui, hein? Parce que j'ai bien compris que maintenant, de plus en plus, les Jean-Michel à vous, c'est pas des défis. C'est plutôt comment on va pouvoir faire en sorte qu'ils soient ridicules. Des bisous, Otto. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir discuté. Et bon Isaac à toi. faut dire que Rabia est la plus belle et que tu pourrais pas vivre sans elle. Rabia est la plus belle et je ne pourrais pas vivre sans elle. Mais... Voilà, merci. Parfait. Voilà. Mais c'est vrai que Rabia est la plus belle par contre. Là-dessus, franchement... J'ai pas grand chose à redire. C'est un très joli chat. On est de 1. Bien. Non. Ça me touche pas, ça me... Oh non mais... Vraiment quoi. Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu veux toi? Dealing, dealing, bienvenue à la boutique Luma. Pour 30 fragments d'étoiles, je peux te vendre quelque chose d'utile. Si, vas-y, échange. Qu'est-ce que tu veux? Je veux de l'énergie.
Ça y est, je suis repu. Alors c'est parti. Transformation. Et là, vaisseau spatial. Enfin, une toupie Beyblade. Un Beyblade. Il y a des Beyblades. Mais arrêtez. Non mais arrêtez les petits. Merci. Barrez-vous. Quoi? Mais arrêtez les petits. Non mais arrêtez-vous. Merci. Barrez-vous. Pouette, 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 pouette. Pouette. Pouette, pouette. J'ai un fond de thé en fait. J'avais pas fini. Ta-da-da-da-ta-da. Hop. Est-ce que je veux sauvegarder d'aide? Oui. Hop. Ah, donc résultat du sondage. Donc, est-ce que la deuxième vasectomie va être la bonne? Vous avez répondu à 78%, lol. À 11%, oui. Et à 11%, non. Et Grand Tif a arnaqué le game en payant avec des points de chaîne. Merci toi, Grand Tif. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que tu m'aimes beaucoup. Allez, je vais faire une petite pause. YouTube, je vous laisse là et je vous retrouve une prochaine fois pour la suite de ce merveilleux Mario Galaxy. Des bisous. Des bisous.